Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur les Sims 4 en compagnie de nos deux petits frères qui sont partis sur Vivre Ensemble, cette nouvelle île. Nouvelle île, c'est pas vraiment une île, mais bon, on va dire que c'est une île. Et j'ai fait une grosse découverte avant le lancement de l'enregistrement en appuyant sur espace. Oh, magie, on peut changer de personnage. Incroyable la technologie. Enfin bon, après 350 heures de... Enfin, je crois même 400 heures de jeu sur les Sims, j'ai découvert la barre d'espace. Waouh! Bon, à part ça, vous pourrez quand même trouver dans les commentaires, je vous autorise à se foutre de ma gueule. Et à part ça, on va quand même aller voir un peu au niveau des... Je dis déguisement, pas du tout, au niveau des habits, pour changer un petit peu tout ça. Alors, prévoir des tenues. Non, zut. Du coup, on appuie sur espace, et par magie, on prend la bonne personne. Prévoir des tenues, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté au niveau des habits. Vous étiez nombreux à vouloir qu'on change un petit peu de tenue, de coiffure, tout ça. Donc, quitte à le faire, on va le faire tout de suite. Oh, salut toi. Salut mon cher. Alors, qu'est-ce qu'on aurait par ici? Au niveau filtre des éléments, donc on va voir au niveau des nouveaux packs, voir à quoi ça correspond. Vivre ensemble, s'il te plaît, merci. Oh, c'est un petit peu, ouais, un peu fashion, fashion boy, des trucs assez sympas, on va voir ça. Fin. Donc ça, c'est au niveau des hauts. Mais écoutez, on va aller voir un petit peu, on va filtrer chaque catégorie, histoire de voir un peu à quoi ça peut ressembler. C'est vrai que ça a l'air assez pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, c'est quoi que t'as? Tenue de tous les jours. Donc tenue de tous les jours. Est-ce qu'on garde ce que t'as actuellement? Ok, c'est très laid. C'est très très laid. Ta tenue 2 est absolument immonde, donc on va l'enlever. Elle est vraiment dégueulasse. On va mettre la tenue 1. Enfin, tenue 2, on la supprime. Voilà. Et du coup, on va changer une nouvelle tenue. On va visiter un. Oh, c'est très classe. Bon, pas du tout. Oh là là, c'est horrible. Oh, le chevalier. Ça, ça lui va. Ça, c'est classe. Faut peut-être pas mettre un chevalier pour la tenue de tous les jours. C'est peut-être pas exactement ce qu'on recherche. Mais on va voir. On va chercher un petit peu une tenue qui pourrait le faire. Niveau pantalon, ça fait très années 90 ça. Ça fait très gay années 90, c'est assez particulier. Bon après chacun son style, écoutez. Personnellement c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est le genre de pantalon que je n'aime pas du tout, ce truc un peu gonflant là. Je trouve assez particulier. Bof, le jeans, il est un peu abusé, ils l'ont remonté tellement haut là le jeans. Monter un petit peu ça peut être joli, mais là quand t'as 30 cm de remontée, c'est assez particulier. Donc les pantalons sont assez dégueulasses. Étonnamment il n'y a que ça apparemment. Niveau pantalon avec le DLC. Est-ce que c'est bien filtré par rapport à tout ça? Ouais, il n'y a pas de short, tout ça, il y a vraiment que des trucs assez moches. Bon, bah écoutez, on va déjà au niveau des hauts, si on pourra prendre un ancien pantalon, ça ira très bien. Parce que c'est vrai que ça, c'est franchement, il est horrible ce pantalon, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on aurait? Bon, filtré, vivre ensemble, oui. Oh, ça c'est pas mal. Le truc de... Donc le pantalon, on le changerait après, mais je dis le haut. C'est que le truc de motard, ça fait vraiment un peu sex symbole. Ça fait très très classe pour un dragueur. Je pense que ça pourrait le faire. La version un petit peu efféminée avec le châle. Pas sûr que c'est le combien exactement. Enfin. Ah, ça c'est le genre de truc qui peut lui aller, je pense. Ça pourrait presque lui aller. Qu'est-ce qu'on aurait? Non, mais sérieux, je crois que la veste de Bad Boy, c'est vraiment trop classe. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Enfin, un peu tranquille, c'est vrai que pour le quartier. Ah, c'est plutôt jeune, on va dire. C'est vrai que ça donne un petit style. Ah, écoutez, fin, je pense qu'on va partir là-dessus. Et tenue de fête, on lui mettra la veste directement de. Qu'on appelle ça de motard. Ça peut le faire. Donc, au niveau du pantalon, du coup. Oh, le truc est bien dégueulasse. Ah, mais attends, il y a des couleurs différentes. Mais c'est vrai que c'est quand même assez laid, franchement. Est-ce qu'il y aurait une couleur qui pourrait aller avec? Ouais, non, c'est quand même pas tip-top. En blanc. Ouais, c'est pas spécialement mieux. Je pense qu'on va lui mettre un pantalon plus traditionnel, parce que là, franchement, celui-ci, ça reste assez spécial. Un truc genre comme ça, ah, c'est quand même nettement plus classe. Là, franchement, s'il gère pas comme ça... Est-ce qu'on partirait sur un pantalon plutôt foncé ou plutôt clair? À mon avis, un foncé, ça peut être mieux. Ouais, il y a de ces trucs. Il y a de ces pantalons tellement what the fuck. Sinon, la version en short, un peu hawaïenne, c'est un peu particulier. En moule bit, le traditionnel moule bit qui passe bien. D'ailleurs, il a pas de fesses, c'est bizarre. Il a pas de fesses, effectivement, il a un cul minuscule. Donc ce qu'on va lui mettre, peut-être un truc qui correspondrait quand même mieux. Enfin, là, ce pantalon, il va très bien, mais je trouve que ça fait un peu trop classe. C'est pas assez jeune, assez dragueur. Donc je pense partir plutôt sur ce qu'on a vu tout à l'heure, à moins qu'il y ait un pantacourt qui puisse le faire. Ouais, je suis pas convaincu par les pantacourts, c'est assez moche. C'est pas idéal. Alors niveau jeans, donc... Et si on changeait la... Oh, il y a de ces couleurs de fou. Il y a des trucs complètement tarés. C'est vrai qu'on a plusieurs versions qui peuvent être assez sympas, il y a d'autres couleurs disponibles. Ah mais celui-ci j'ai vraiment bien. Je trouve que ça en est très très bien, c'est juste au niveau du pantalon j'ai un peu de peine à trouver un truc qui puisse correspondre avec ça. Parce que genre si on partait là-dessus, est-ce que la couleur ça irait? C'est pas tout à fait la même couleur du coup, j'ai peur que ça fasse un peu trop coloré. Parce que si on mettait plutôt dans une version autre, bah, c'est vrai que le gris ça avec toi en même temps. Ça reste quand même un basique. Ce qui me paraît être le mieux, soit la version grise comme ça, soit la version brune. Ouais, ça fait peut-être trop différent. Non, c'est trop différent. Sur la derrière, c'est pas tip-top. Je pense du coup, le gris irait beaucoup mieux.
C'est vrai que ça passe avec n'importe quelle couleur. Pantalon gris, c'est un basique. Justement, là, il est lourlet et tout. Et plutôt sympa. Écoutez, je pense que c'est pas mal ça. On va changer de mes chaussures. C'est que les chaussures de montagne, c'est pas la meilleure chose à faire. Et du reste, au niveau du pack, est-ce qu'on aurait des chaussures particulières? Ouais, mocassin. Des sortes de bottines un peu. Ah, ça pourrait presque. Ouais, non, c'est un peu particulier quand même. C'est assez spécial. Autrement, on a les baskets comme ça. Ah, ça peut le faire, les petites baskets, autrement la version très classe. Ça fait assez féminé avec les petits taconnettes là, enfin on appelle ça les petits rehausseurs là à l'arrière, les talons. Enfin, c'est assez particulier. Non, je pense que les chaussures comme ça peut le faire, voir au niveau des couleurs par contre, peut-être partir sur un truc un peu plus extravagant, histoire de contraster. Ah, bah ça serait pas mal, ça reprend les mêmes couleurs justement, on reprend. Ça fait un petit peu tranquille, un petit côté artiste qui peut plaire aux filles. Ah, écoutez, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire, c'est assez classe. Niveau coupe de cheveux, ça me paraît bien aussi. Il a la petite barbe, il a tout ce qu'il faut. Fin. Parce que si on regarde les nouveaux, par rapport au nouveau pack, toujours pour découvrir ça ensemble, il n'y a quand même pas les nouvelles coupes. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop fashion. C'est un petit peu trop fashion à mon goût. Fin. Ah, ça lui change complètement le visage, regardez-moi ça. C'est complètement différent. On voit, c'est pas la même personne, c'est fou quoi. Comme une coupe peut changer. Mais écoutez, limite pour un dragueur, je trouve que ça peut être super classe. Je trouve que ça fait un peu le côté italien, Latin lover. Voilà la coupe premier de classe. Pas sûr que ça passe très bien ça pour draguer. Mais ça que là pour le coup. Ouais non ça non, on va éviter. La coupe un peu traditionnelle, plutôt jeune. Moi je suis pas convaincu. Mais c'est vrai que celui-ci, franchement, ça me plaît pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si on garde ça. Mais je pense qu'on va partir là-dessus. Alors c'est parce que c'est vraiment un petit côté dragueur. Je trouve que pour justement un dragueur, un lover, ça paraît très très bien. Bon, écoutez, un bon basique, ça, on va le garder. Tenue habillée, autant vous dire qu'on va le changer, parce que bon, faut pas déconner, c'est assez particulier. Et sur le niveau des barbes, vous voyez, une nouvelle barbe, enfin une nouvelle barbe qui est assez particulière. On va éviter, ça me paraît pas idéal quand même comme barbe. Est-ce qu'on aurait d'autres choses intéressantes? Au niveau chapeau, on a un chapeau un peu ouais, de soirée, si j'ose dire. On a également l'armure qui va avec. Au niveau accessoires, enfin. Accessoire aucun. Ah dommage qu'il n'y ait pas une petite montre, un peu sympa. Et enfin maquillage, forcément c'est pas trop pour lui. Il n'y a aucun nouveau maquillage. Bon bah écoutez, on aura fait un peu le tour comme ça. On voit un peu à quoi ça ressemble. On va quand même modifier un peu le reste parce que c'est vrai que ça c'est pas tip top quand même, cette tenue là. On a que du mieux on va dire. Bon en même temps une tenue habillée, franchement, pour un Latin lover ça fait, à mon avis ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs dispo qui lui iraient peut-être mieux? Alors version brun, oh c'est classe. C'est hyper classe. Par contre, des chaussettes, je dirais pas non. Ça pourrait être quand même préférable. C'est peut-être un petit peu abusé quand même ces chaussures. Il y a pas une version un peu moins abusée. On a la version comme ça. C'est pas tip top, je trouve. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais on va lui laisser ça parce qu'il y a pas 25 000 chaussures. Donc on va lui laisser pour le moment celui-ci. Ah, c'est vrai que c'est quand même classe là. Bon, peut-être un petit peu années 90 les lunettes. C'est peut-être un petit peu exagéré. Ouais, sans lunettes, ça me paraît quand même mieux. Des boucles d'oreilles, non, peut-être pas quand même. Ouais, je pense que sans lunettes c'est mieux, c'était peut-être un peu trop années 90. Comme ça il est quand même super classe. On reste vraiment dans le sérieux, on part pas trop en cacahuètes. Donc ça c'est bon pour son style plutôt habillé. Ensuite la version sportive, est-ce qu'on a une version sportive en rapport avec ce qu'il a, enfin avec le nouveau DLC? Non, aucun haut en rapport avec le sport. Par contre on peut mettre genre un t-shirt un peu décontracté. Genre ça pourrait le faire. Ou alors la version rouge comme ça, ah c'est pas mal. Pour faire du sport je pense que ça peut le faire. On a différentes couleurs dispo, c'est vrai que le noir et brun est sympa. De pas assez flashy pour le sport, c'est vrai que là pour le sport, le rouge. Ah, franchement, le rouge est pas mal pour faire du sport, ça reste quand même la base. Ah bah limite avec le pantalon blanc comme ça, ça peut le faire. Parce que le problème du rouge, c'est que c'est pas le même rouge, ça fait un peu bizarre. Mais c'est vrai que là pour le coup, en blanc, avec les petites rainures rouges, ça paraît très bien. C'est un bon mélange du tout. Juste changer encore les chaussures. Les chaussures rouges qui reprennent un peu tout ça. Ah, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Du coup, on va laisser comme ça pour le sportif, ça me paraît bon. Pour la nuit, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des nouveautés par rapport à vivre ensemble? Non, a priori. Peut-être ici, sommeil. Non, version sommeil, on n'a rien de nouveau. Bon, bah écoutez, le petit caleçon rouge comme ça qui passe bien, le truc basique, pas trop compliqué. Ça me paraît bien. Alors, par contre, la version déguisée, version fête, on a dit qu'on mettrait la tenue. Ah oui, c'est vrai, la tenue de motard. Ça peut carrément le faire. La tenue de motard, franchement, j'aime beaucoup. Elle me paraît pas mal du tout. Par contre, au niveau pantalon, il faut un truc qui aille avec. Ça, c'est plus compliqué. Ah, je pense qu'à la base, c'est ça qui va avec. Mais c'est vrai que c'est quand même très particulier. Bon, du coup, on va le mettre pour l'utiliser. Mais c'est vrai que je suis pas totalement convaincu. C'est quand même assez particulier. Ça fait, ouais, très, très spécial. Bon, on le met. On verra bien si on pourra le changer petit à petit. On leur mettra d'autres costumes différents.
Par contre, forcément, au niveau chaussures, faudrait un truc qui aille avec ça. Qu'est-ce qu'on aurait? Bon, la version noire en bottine, ouais, ça correspond bien au style. Écoutez, un basique. Et enfin, le petit maillot de bain. Enfin, on va lui mettre quoi? Un truc un peu sympa. Enfin, est-ce qu'il y a des nouveaux maillots de bain qui sont sortis avec? Vu qu'il y a pas mal de trucs en rapport avec la piscine. Non, a priori, pas de maillot de bain. Enfin, c'est pas mal. Par contre, c'est quoi ce que t'as au poignet là? Si tu pouvais me l'enlever, s'il te plaît, ça m'arrangerait. C'est pas spécialement viril. La bague non plus, je suis pas totalement fan. Voilà, comme ça. En version nature. Mais pourquoi t'as des boucles d'oreilles? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on t'avait fait? À mon avis, c'était pas volontaire. J'ai dû appuyer sur les trucs sans faire exprès. C'est pas du tout normal que ce soit comme ça. Écoute, en version basique comme ça, ça me paraît bien. Est-ce qu'on te met des tongs? Non, même pas. Y'a pas besoin. Allez, comme ça, t'es parfait. Je te félicite. Du coup, on passe à ta serre directement. Enfin. Du coup, on va voir les nouvelles robes qui sont sorties. Voyons voir ça. Y'a différents styles. Oula, des robes un peu particulières, on a un truc un peu plus classe. Elle, donc, c'est une artiste, enfin, un truc qui correspond à ce style. Waouh! Ça, c'est plutôt artistique, voire. Enfin, c'est pas très très joli. Mais ça, là, vraiment, l'avantage d'être un peu artistique. Est-ce qu'on a un truc qui correspondrait peut-être mieux? Enfin, on sait que ça, c'est un petit côté vachement artistique, justement. Un petit peu. Qui se prend pas la tête. Elle a des très beaux yeux au passage, regarde-moi ça. De très très jolis yeux. Enfin, là, je pense que ça pourrait le faire. Un petit côté comme ça, artiste. Parce que si on regarde au niveau des habits autrement, parce qu'effectivement, c'est tous les habits différents, vu que c'est une femme. Des trucs un peu transparents, enfin. Et au niveau des bas, qu'est-ce qu'on aurait, enfin, filtré, pack, montre-moi qu'on va vivre ensemble, s'il te plaît, enfin. C'est très, très spécial. D'accord, ah oui, c'est particulier, enfin. Il faut aimer, on va dire. Ouais, je suis pas convaincu, je pense qu'on va plutôt partir vraiment sur le corps. Ce qu'on a vu tout à l'heure était plutôt pas mal. Au niveau des couleurs, ce qu'on pourrait prendre. Peut-être dans les rosés. Ouais, non, qu'est-ce qu'il y a de mieux avec sa teinte? Qu'elle est blonde, tout lui va pas la même chose. C'est vrai que la version noire contraste un petit peu. Alors ça, c'est un petit peu plus coloré, un peu plus sympa, plus artistique peut-être. Ah, j'aime bien ce côté-là, un peu artistique comme ça, un peu foufou. Par contre, au niveau chaussures, est-ce qu'on lui laisse ça ou pas? Et des bottines, des petits escarpins. Les escarpins, je suis peut-être pas totalement convaincu, mais ça pourrait le faire, peut-être en blanc. Ouais, franchement, je pense que ça peut le faire. Des escarpins comme ça en blanc, parce que forcément les bottes, on va éviter. C'est vrai que ça me paraît bien. Ça va à peu près ensemble, c'est un peu léger. Décontracté, c'est très très bien. Alors, niveau coupe de cheveux, il y a plusieurs nouvelles. Ce qu'on va pouvoir lui faire. Une coupe, c'est plutôt artistique, on aurait quoi? Genre la tresse. Oh, ça lui change complètement le visage, j'ai l'impression qu'il y a une différence. Quand tu changes de coupe, c'est plus la même personne. Ah, la version avec les cheveux teintés. C'est pas spécialement joli, mais c'est l'avantage de donner un petit côté artistique. Ouais, mais c'est quand même particulier, je suis pas trop convaincu. C'est vrai que là, ce petit côté un peu enfantine, je trouve que ça peut le faire avec la petite tresse comme ça. Ça rend assez bien. Là, on va laisser comme ça pour le moment. Enfin, au niveau des robes habillées, ce qu'on pourrait lui mettre. Oh, le truc. Le truc horrible, la fauve. Complètement recouverte. Un truc. Ah, ça, c'est pas mal artistique. C'est que le chapeau, ça va bien. Ah, bah écoutez, c'est parfait ça. Je pense que ça rend assez bien. Enfin, donc, la tenue habillée, on va lui laisser ça. Enfin, c'est un petit basique. Les chaussures ont changé, je sais pas. Faut voir. Peut-être comment les autres auraient été mieux. Enfin, bon, pour le moment, on va laisser comme ça, on va pas trop se prendre la tête. Tenue fin du sport. On se prend pas la tête non plus, on va lui laisser ça, rien de spécial. Et au fait, elle a déjà une magnifique robe qui allait très très bien avec un beau maquillage. Du coup, je pense qu'on va laisser. Pas besoin de changer, il y a rien de spécial de toute façon. Parce que bon, bah, franchement, ce cas-là, c'est quand même nettement plus joli. Et enfin, la tenue de plage qui est très très bien également. Bah parfait, du coup, on a réussi à faire tout ça. On est bon, les amis, on va pouvoir continuer. Ah, c'est quand même la classe. Alors là, c'est quand même le gros dragueur. Ça rend très très bien, je pense. Au niveau de la maison, ce que j'aurais bien voulu rajouter, c'est... Ah, est-ce qu'on pourra le poser du coup? Est-ce qu'on a toujours déverrouillé les objets qu'on avait avant? Parce que par exemple, on va voir ça. Ce que je vais lui mettre pour pouvoir peindre, pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, ça aurait pu être bien. Fin... Ouf, on a toujours accès au chevalet plume, donc ça tant mieux, que ça on pourra le placer par ici. Déjà, est-ce qu'on a pu lui mettre? Là, elle a une mini table, un truc bien à l'arrache. À discuter, on n'a absolument rien, mais écoutez, ce serait parfait ça. Fin... Juste là dans le coin, ça me paraît bien. Fin... Voilà, comme ça c'est fait. On a un petit chevalet pour faire des petits tableaux, parce que ça apporte quand même pas mal de simflouz. Parce que je pense pas qu'on va leur faire travailler pour le moment, vraiment profiter de ce nouveau monde qui nous est offert avec ce DLC. Et puis comme ça, ils pourront profiter sans travailler, ce qui est quand même préférable. Puis quitte à faire pour faire entrer les simflouz, je pense que les tableaux, ça ira largement fin. Du coup, Sarah adore, ce qu'on va pouvoir faire, c'est partir avec son frère. Et puis on va aller voir s'il n'y a pas un couple dans lequel on pourrait s'inscrire, le couple de dragueurs, de fêtards. Il faut voir, il faut visiter un peu ce monde pour mieux le connaître. Ah mais c'est juste, en fait ils travaillent déjà, j'ai complètement zappé, mais ils ont pas perdu leur travail, c'est juste, ils travaillent toujours. Donc capitaine de la troupe de danse, 14h21, ils travaillent aujourd'hui. Et puis ça sort également, ouh j'ai oublié ce détail, c'est tout à fait juste. Bah écoutez c'est pas grave, on fera avec, on fera les deux ensemble, ça n'a pas trop posé de soucis.
En plus, on est déjà pas mal avancé, niveau combien? Niveau 6, et autrement niveau 4. Bon, lui un peu moins. Mais sa sœur est quand même bien montée. Ça a fait rentrer quelques pépettes, on n'est pas contre. Du coup, entraînement pas commencé, il est énergisé. T'as tout bien fait, bah écoute, fais plutôt ton entraînement. Sauf que tu n'as aucun matériel d'entraînement, ce qui peut être un peu gênant, effectivement. C'est que t'as rien. Tu n'as absolument rien. Bah écoute, on va partir au gymnase, tout simplement. Enfin. Alors, le gymnase est juste là, salle de sport, quartier du port. Bah écoute, vas-y, on va voir ce que ça donne. La salle de sport. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On va la visiter un petit peu comme ça. Ok, la salle de musculation, on a une petite piscine. Ouh, pas mal. Pas mal du tout, avec la zone douche pour changer, c'est très très bien, très joli. C'est que la piscine est assez sympa là, avec le petit plongeoir au centre, ça passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le trou central, ça rend super bien de pouvoir mettre un trou comme ça. C'est vrai, il faut vraiment que je fasse ça au niveau de la maison de Nifex, on pourrait presque en faire une, et puis mettre une belle piscine centrale avec, au centre justement, avec un espace comme ça ouvert, ça pourrait rendre très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Si on monte un petit peu, un petit bar tranquille, la zone pour défoncer ça, courir un petit peu. Bon, ma petite salle de gym tranquille où il y a tout ce qu'il faut, ma foi. Enfin, du coup, on va partir directement taper ça. Enfin. Ah, Sarah est partie travailler. Bon, bah écoute, travaille dur. Hein. Quitte à faire, essaie de faire ce qu'il faut pour. Et de toute façon, on pourra prendre des jours de congé, je suppose. On a combien de jours de congé? Elle a 5 jours de congé, parfait. Et quant à toi, Théo, tu en as 2 disponibles. Ah, t'as un nouveau pote? Salut, toi. Comment vas-tu? On va peut-être te saluer. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais un sport un peu à deux balles? Présentation chaleureuse, écoute. On va se présenter quand même, histoire d'être un peu pote. Ah tiens, t'as du monde là. Est-ce que t'es dans un club toi? Dans un groupe? Non, t'es pas dans un groupe. Oh, salut princesse. Salut belle, comment vas-tu? Il y a du monde ici. Mais il y a plein de monde, il y a même ta sœur. Salut Lisa. Comment vas-tu également? Écoutez, on se connaît. On accélère un petit peu, histoire que son entraînement se termine. Il est à 25%. Il doit en faire combien? 50%. Stop, hey, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu y retournes tout de suite. C'est pas fini. Ah oui, il allait se présenter, c'est juste. Salut mon pote, on est potes maintenant, j'espère. Ok, les méchants perfectionnistes, c'est actif. Dégage-le, il est méchant, je ne veux pas de méchant ici. Entraînement commando, repousser ses limites, parfait. Par contre, lui, il a pas l'air très très doué pour ça. Effectivement, c'est pas vraiment ça. Allez, dépêche-toi, on est déjà à 50%, faut terminer ça. Comme ça, peut-être la promotion aujourd'hui, qui sait, ça serait parfait. Fin. Et si je veux rejoindre un groupe, ça se passe comment? Ok, alors demande une invitation, condition non replies, requis, je veux dire. Enfin non, rempli, je vais y arriver. D'accord, donc les groupes sont là, c'est qu'on n'a pas du tout regardé ça. Alors qu'est-ce qu'on a? La bande de fêtards. La bande des fêtards n'a qu'un but, se réunir en bande et faire la fête. Ok, bon ça en fait deux, effectivement. La crème de la crêpe. Nous ne sommes pas vraiment snobs, nous aimons juste partager les meilleures choses de la vie. Ah, tant qu'elles sont liées à la nourriture. Ça c'est pas mal, pour Nifex, franchement ce serait sympa. La crème de la crème, ça m'intéresse. La Ligue des Aventuriers. Le monde est un endroit mystérieux rempli d'aventures. Des bateaux pirates et des vaisseaux spatials peuvent surgir de tout moment. Enfin, ouais, effectivement, conditions non remplies. Faut quoi comme conditions? On peut voir les détails. Ah, c'est génial. C'est super complet. Enfin, ça rend bien foutu. Par contre, c'est un petit peu des gamins. Enfin, voyez-vous, c'est un club pour enfants. Donc, c'est pas tout à fait pour nous. Enfin. Les avant-gardistes. Vous aimez débattre de points subtils de la grande littérature. Vous avez besoin d'aide pour vos devoirs. Ok, donc c'est des gens qui sont plutôt cultivés, on va dire. Les chevaliers errants. Fier chevalier sans maître, nous promettons cependant de nous promener dans les beaux jardins de notre beau chalet. D'accord, donc c'est justement ceux qui sont costumés en chevalier, enfin costumés, qui sont déguisés en chevalier. Les habitués, tout le monde peut faire partie des habitués. Vous devez juste aimer boire un bon verre entre amis tout en jouant au baby-foot. Bah ça c'est pas mal pour moi franchement. Je pense que ça correspondrait pas mal à mon style. Parce que je pense qu'on va rejoindre un groupe et puis plus tard ce qu'on fera c'est tout simplement en créer un. Ça pourrait être plutôt bien, enfin... Les modèles. Cela nous demande du travail d'être aussi beau. La perfection n'est pas facile. Mais tout le monde a besoin de quelqu'un à admirer. C'est pour cela que les modèles existent. Ça, c'est pas mal. Parce que vu qu'il va être un peu dragueur, un peu qu'à la grosse tête, c'est vrai que ça pourrait le faire. Ils ont quoi? Être méchant avec les rebelles. Essayer des tenues. Boire du café. Non, d'accord. En même temps, quand tu vois les types, c'est pas vraiment... Ouais, non, laisse tomber. C'est plus des gravures de mode que des gros rebelles. Que des gros fashion victims. Enfin, c'est fashion victims, pas vraiment des draggers nés. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Un truc qui pourrait se correspondre. Les nains de jardin. La nature est partout autour de vous. Allez l'explorer. Si vous aimez marcher, pêcher et jardiner. Pas mal pour les princesses, ça peut être sympa. Enfin, les pros des platines. Vous pensez avoir le rythme et le style pour faire des parties de pros des platines? Venez nous le prouver. Ça serait pas mal. Par contre, je sais pas les conditions. Votre Sims n'a pas les qualifications requises pour rejoindre le groupe. Je pense qu'il faut avoir un niveau en musique assez élevé, a priori. Ça pourrait être franchement pas mal, ça. Utiliser la cabine de DJ, danser. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Sims ayant atteint au moins le niveau 2 de la compétence DJ.
Danse et DJ. Ouh, pas mal ça. Franchement, ça, je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être plutôt sympa. Enfin, plus que deux. Ah non, il y a les sportifs aussi, effectivement. Mais bon, déjà, il y a les rebelles. Vous avez envie de faire des amis et d'être populaire? Dommage. Car la première règle des rebelles, c'est que vous ne devez pas parler des rebelles. Ok. Donc il faut qu'ils soient secrets, c'est ça? Je suppose. Et enfin, les sportifs, certainement ceux qui m'intéressent le plus. Nous pouvons tous devenir meilleurs, plus rapides, plus forts et plus en forme. Que vous ayez une bonne parole d'encouragement ou quelqu'un pour vous botter les fesses, nous sommes là pour vous aider. Bah écoute, ça c'est exactement ce qui m'intéresse. Franchement, ça me paraît pas mal. Ouvert à tous. Le préféré du groupe, la salle de sport Quartier du Port, bah c'est mon nom en plus. Ah, c'est bien exigeant, rien de particulier. Activité du groupe, nager et s'entraîner. Bah ça, franchement, c'est pas mal. Ça me paraît très très bien. Point de groupe 100. Ok, donc on peut avoir des avantages et tout, comme pour les magasins. Ah, c'est cool! On peut avoir des bonus de romantisme, il y a plein de choses intéressantes. Accélération du gain de compétences fitness. Sauf que je suis Joe Max, donc c'est pas vraiment intéressant. Par contre, il y a plein de boosters pour en fait les compétences. Ça, c'est vraiment génial. C'est très très bien foutu. Ah, c'est super complet, il y a plein plein de boosters de choses. C'est vraiment intéressant. Donc, je pense qu'on pourra se créer des groupes plus tard, ça serait bien. Enfin, est-ce qu'on les rejoint directement? Allez, vas-y, on les rejoint. Yes! SMS en transe, Marcus Flex. Bienvenue dans le groupe des sportifs. C'est un plaisir de voir que tu as décidé de nous rejoindre. Le groupe va se réunir et nous. Et nous quoi? Et nous et nous. Et nous aimerions que tu te présentes aux membres. Je pense faire une réunion à cet endroit, salle de sport, quartier du port. Viens te mettre en forme avec nous. Veux-tu le rejoindre? Enfin, veux-tu nous rejoindre? Bah, ok, oui, j'y serai. J'y serai avec grand plaisir. Par contre, quand je commence le travail, c'est ça qui m'inquiète un peu dans 4 heures. C'est juste, au pire, on prendra le congé. On verra ça. Ah, bah, c'est cool ça! Premier groupe de fait, les amis. On avance petit à petit. Est-ce qu'il y a du monde qui va venir? Comment ça se passe? Est-ce que je dois attendre? Est-ce qu'il y a un indicateur? On verra ça. Enfin. Qu'est-ce que tu la mates, toi? Espèce de gros cochon là. Regarde les gars, tranquille. On se demande ce qu'ils regardent. C'est quoi son délire? Veux-tu laisser ma soeur tranquille? Veux-tu. En fait, est-ce qu'ils sont sœurs ou pas? Vu que je confonds à chaque fois tout. Je ne sais jamais. Je me perds un peu. Si je dis pas de bêtises, ils sont bien sœurs. Il me semble en tout cas. Bon, niveau musculature, t'as en tout cas ce qu'il faut. Mais c'est vrai que ça change complètement la coupe, ça n'a plus rien à voir. T'as complètement changé. Écoute, c'est pas mal. Quitte à faire autant changer un petit peu, c'est pas de mal. Par contre, au niveau du groupe, ça se passe comment? Donc on clique sur le groupe. Est-ce que je peux leur parler? Je peux aller vers eux, a priori, donc j'attends qu'ils viennent. Je suppose. Et on peut avoir plusieurs groupes en même temps, d'accord. Ça, c'est bien foutu. On peut avoir jusqu'à quoi? Rejoindre, créer un groupe, deux restants. Donc on peut avoir trois groupes en même temps. On peut en créer un ou en avoir directement différents. Ah, c'est pas mal. Donc là, on est en cours de réunion, mais ils sont où les messieurs? Où est-ce qu'ils se cachent? Marcus, Paola, Clara. Ah là, il y a Paolo. Paolo qui est juste là exactement. Écoutez, on va aller le rencontrer. Ah, est-ce qu'on peut lui enseigner un petit peu le sport? Vu que je suis niveau 10, je peux lui apprendre cette compétence. Parce que vu comme il est maigrelet, à mon avis, ça peut lui faire du bien. Parce que forcément, face à moi, je deviens le big boss du groupe. Ah, il a pas le même gabarit que moi, ça c'est clair. Bon, déjà, on est potes, c'est bien. Est-ce que je peux lui faire des trucs en plus? Donc des versions groupe, on a quoi? Combien de quitter le groupe, demander de rejoindre, définir l'ambiance du groupe, faire l'éloge du chef. Ah, c'est bien foutu, il y a plein plein de... Oh, la poignée de main du groupe, excellent, enfin. On peut parler du groupe. Alors, comment ça se passe? On est potes ou pas? Ça monte petit à petit et plutôt bien, écoute, on va devenir un bon pote, je pense. Et on gagne des petits points justement par rapport au groupe. Du coup, on a quoi, enfin. On en est à combien? 135 points. Et petit à petit, on pourra acheter des trucs grâce à ça, c'est bien fait. Fin. Eh, mais c'est Ted, ça. Tu fais quoi, la Ted? Allez, reste tranquille. Moi, j'ai parlé avec mon pote, passé du temps avec Marcus. Ah, il va commencer à travailler, c'est juste. Faut partir au boulot juste le temps de quand même se présenter un petit peu, quitte à faire. Faire l'éloge du chef. Bah écoute, allez, vas-y, on va faire l'éloge du chef. C'est qui le chef? C'est Marcus. Marcus, t'es ouf. Est-ce que je peux te voir? Bon, il est d'accord avec nous, je suis bien d'accord. Marcus Flex est le meilleur. Du coup, Marcus, t'es où, mon pote? On va quand même te rencontrer. Ah, il est juste là, parfait. C'est le chef. Bon, écoutez, c'est Tyrick Marcus. Tiens, on va tenter ça. Il a fini le sport. Annule tout le reste. Il est en train de se faire accueillir par le groupe. Je me sens un petit peu seul. L'accueil, là, il est pas très chaleureux, on va dire. Est-ce qu'il est content? Est-ce que je peux te parler quand même? Vas-y, Marcus. Entraînement épique. Repousser ses limites? Non, peut-être pas. Convaincre. On va être gentil avec lui, c'est possible. Allez, parle un peu avec lui, on va partir au boulot. Et comme ça, on terminera là-dessus, les amis. Tu m'as parlé ou pas? Eh hey, salut, vous êtes charmante, dis donc, mademoiselle. Présentation dragueuse. Est-ce qu'on aura le temps? C'est 50, ça me paraît juste. Est-ce qu'on pourra quand même la draguer un petit peu? Oh, bonjour, vous. Comment allez-vous?
Ah mais c'est Veronica Johnson. C'est la femme de Ted, Alien. Il faudra quand même faire gaffe à ça. Pas faire de bêtises, elle est sûre d'elle, matérialiste, c'est proche de sa famille. Elle est surtout très très belle, regarde-moi ça. D'une splendeur totale et absolue. Bon, à part ça, t'es parti au travail? Théo, tu nous fais quoi? Théo est en train de descendre à quoi? Aller au travail? Ah, je pense qu'il va saluer. Ah non, il est juste stupide, il est descendu pour remonter de l'autre côté. C'est tout à fait normal. Y a pas une sortie plus courte? Parce qu'il était ici, est-ce qu'il pouvait sortir directement? Ah non, je crois que c'est bien la sortie. Ah oui, t'es obligé de passer par en bas, d'accord, autant pour moi. Autant pour moi, donc il doit passer par les vestiaires en bas pour ressortir par là. Donc non, c'est plutôt logique en fait. C'est plutôt logique. Bon, écoute, pars au travail. Et nous, accessoirement, si on pouvait rentrer à la maison, ça serait pas mal. Alors, place du propriétaire, on est rentré. Et du coup, elle rentre également. Comment ça se passe ça? Est-ce que t'as une promotion? Non, toujours pas de promotion. Est-ce que t'as tout ce qu'il faut? Créer des toiles, pas commencer, performance bien. Écoute, c'est pas trop mal, on a 8 heures de travailler dur. Et on sera bon. Il travaille jusqu'à quelle heure? Bonne question ça. Il travaille jusqu'à 21h. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Ah, elle a mal, la pauvre. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tendu à cause du boulot. Je te comprends. Pas facile tous les jours. Enfin bon, du coup, les amis, on va se laisser là. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Cette petite série sur Vivre Ensemble, ce nouveau DLC qui est juste énormissime. Je m'éclate comme un petit fou. Et j'espère que vous aussi. Du coup, pensez à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!